Et yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une vidéo très spéciale, annonce de nouvelles cartes et bien sûr comment débloquer les fripons de niveau 1. Alors ils sont pas tout de suite disponibles mais on sait qu'il va y avoir plusieurs méthodes pour les débloquer. On pourra les obtenir avant, le 25 mai, c'est le 25 mai si je dis pas de bêtises dans 7 jours, voilà, comme d'habitude. Alors on va faire étape par étape, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que vous avez la forme, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, tu connais la chanson, ça fait plaisir, je suis en compagnie de mon P.K. Gold, et aujourd'hui sur Clash Royale, on a l'annonce d'une nouvelle carte, les fripons de niveau 1, rareté commune. Donc déjà, première bonne nouvelle, tout le monde va pouvoir les obtenir très facilement. On n'est pas sur de l'épique, on n'est pas sur du légendaire, donc c'est une nouvelle carte qui va venir se glisser par-ci par-là. Alors, génère un trio de fripons malicieux, donc jusque-là c'est ce qu'on avait vu, hein, c'est ce que je vous avais annoncé dans les vidéos. Le garçon mène la charge, un petit peu peut-être comme un géant, tandis que les filles utilisent leur fronde pour bombarder les ennemis de chewing-gum magique. Donc logiquement, ces petits fripons vont être juste derrière le gros géant là qu'on voit, et ça va être assez intéressant alors. On n'a pas plus d'informations pour le moment. Nombre de fripons 2, nombre de fripons 1, temps de déploiement 1 seconde, ce qui me paraît assez rapide. Pour te donner un ordre d'idée, regarde. Temps de déploiement 1 seconde aussi. Ici, temps de déploiement 1 seconde. Donc voilà, tu vois, c'est classique. Voilà. Alors, tu es en train de me dire, ouais, non, David, mais comment obtenir? Alors, bien sûr. Attention, la petite quête, on va y aller tout de suite. Bien sûr, ces fripons, on va pouvoir les obtenir avant. C'est toujours pareil. Je pense que d'ici une semaine, voire maximum, je dis bien grand maximum, 2 semaines, on aura un premier défi ou super défi. Comme c'est une commune, je pense qu'il faudra atteindre par exemple 6 victoires dans un super défi, en gros, sur les 12, pour débloquer cette commune. Comme d'habitude, sinon... je pense que voilà, ça va se passer comme ça. Dans une semaine, on a les défis. C'est-à-dire que, en gros, si tu fais 6 victoires dans ton défi de 10 combats, je te dis une connerie, mais c'est ça, hein, c'est à peu près ça. Et ben, tu vas débloquer, je te dis une bêtise, 40 fripons directement, ils seront cadeaux. Donc, tu auras sûrement une entrée gratuite, et ensuite, il faudra payer l'entrée si tu n'y arrives pas. Ensuite, dans 2 semaines, la carte sera pas encore sortie, vu qu'elle sort dans 3 semaines, à peu près. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire, eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, offre spéciale pour tant d'euros, eh bien tu obtiens une offre qui est rentable x4. En gros, si tu achètes cette offre, tu vas automatiquement obtenir du fripon. Voilà. En gros, tous ceux qui n'auront pas pu le débloquer pendant le défi pourront le débloquer avant en l'achetant. Et le jour J, eh bien le jour J c'est très simple, le jour J tu pourras le débloquer dans n'importe quel coffre très facilement parce que c'est une commune et on sait que l'algorithme du jeu vise à aller... égaliser le niveau de tes troupes. C'est-à-dire que quand une carte sort, t'as beaucoup plus de chances de l'avoir qu'une autre carte. Donc, voilà, vous inquiétez pas. Va pas falloir attendre 26 jours. Va falloir attendre beaucoup moins que ça. Enfin, va pas falloir attendre le 26 mai. Va falloir attendre beaucoup moins que ça pour l'avoir. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, j'ai envie de te dire, bah c'est qu'on vient d'avoir la guerre des clans et que Clash Royale semble avoir compris qu'on n'a pas envie d'attendre 6 mois pour avoir un nouveau truc. Donc là, ils nous annoncent cette carte, donc d'ici 10 jours, la hype va monter parce qu'il y aura le défi. 2 semaines, il va y avoir des offres spéciales. 3 semaines, elle va sortir officiellement, tout le monde va la voir. Et bam, j'espère qu'ils vont nous annoncer une nouvelle carte. Alors, on va pas se quitter comme ça. Alors, est-ce qu'on va gagner cette guerre? Ouais, stay focus. En ce moment, je suis pas très bien, je trouve pas mon deck. Je vais pas te mentir, je trouve pas mon deck, donc... Je vais pas te mener un 2C2 ou un machin, je vais juste te demander de me donner un deck en commentaire, un bon deck qui selon toi peut faire l'affaire en ce moment en leader, donc n'hésite pas. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve plus tard, et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à la liker et la commenter, salut salut!